Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express. Corps complet, on fait ça en moins de 15 minutes en 2 temps 3 mouvements. Échauffement, 3 mouvements, vous décidez. Vous avez bien sûr besoin d'avoir le OK de votre médecin. Et je vais toujours vous encourager à penser sécurité d'abord, mais je vais vous inviter à sortir de votre zone de confort parce que c'est comme ça qu'on devient plus fort, qu'on progresse et ultimement qu'on voit des résultats. Et par résultats, j'entends pas seulement des résultats physiques, j'entends tout le bien-être qui vient avec le fait de prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. Est-ce qu'on est prêt? L'échauffement est très court, on fait compter chaque seconde. Je ne veux pas vous bousculer. Alors, vous y allez à la cadence qui vous convient, plus vite, plus lent, avec et sans saut. Vraiment, c'est vous le boss. Marcher ou jogger, premier mouvement, c'est soit un mouvement cardiovasculaire. Celui-ci s'appelle le Charleston. Je vais vous montrer des variations. Et n'ayez crainte si vous ne l'avez pas tout de suite, ce n'est pas grave, c'est pas une course, voici ce que ça donne. Tendu. En fait, ça peut être un kick. Je fais step, kick, tendu, devant, derrière. Donc, si je parlais des pieds, droite, gauche, comme à l'armée. Maintenant, j'aime bien vous proposer un genou au cas où ce soit mieux pour vous, ce pas aujourd'hui, cette variation, au cas où vous soyez plus confortable dès le départ dans cette position, juste pour partir le bal. On ne veut pas que ce soit confortable, mais je ne veux pas non plus que votre motivation soit vers le bas parce que vous avez la difficulté à embarquer le mouvement. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que ça n'a pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin de vous voir bouger. Mission accomplie si vos pieds bougent, marche. Si vous êtes capable d'essayer le Charleston, on le fait ensemble. Sinon, vous gardez la marche, vous faites un jogging et vous revisitez la capsule un peu plus tard, cette semaine, la semaine prochaine. Et la deuxième fois qu'on fait quelque chose, ça va toujours mieux. Alors, je peux faire un kick. Peut-être que vous avez l'habitude ou votre corps a l'habitude de faire des kicks. Et vous allez vous retrouver là-dedans. C'est plus ludique, peut-être comme ça pour vous. Moi, mon bagage en danse fait en sorte que j'ai envie de faire un grand kick jeté. Step up, bring it down. Mais l'important, c'est de respecter aussi ses limites parce que il y a la souplesse derrière de la jambe là, qui rentre en jeu. Donc, je peux le faire un petit peu plus bas. Je peux le faire un petit peu plus haut. L'important pour moi, c'est qu'il y ait quand même une petite finition de mouvement. Et par petite, j'entends une grande finition. Si je le fais un peu plus lentement, voici ce que ça donne. Lent, drop, up. Super, aussi. 4, vous pointez. 3, 2, jumping jack, up. Donc finalement, tout se fait bien. Hein? Le kick, un tendu, un peu plus box, un peu plus dansé. Tout est bon. 4, 3, jogging gauche ou marche. Vous décidez. Quand je fais le jogging, j'aime bien toujours penser à l'amplitude du mouvement, talon vers les fesses. Si je veux pas le sauter, ça va, il y a toujours quelque chose, je vous le dis. Il y en a pour tous les goûts. Hop. Wow! J'ai dû reprendre mon souffle, je sais pas pourquoi, je me sens particulièrement essoufflée sur celui-là. Je pense que c'est lorsque j'ai fait les mouvements de grande amplitude, la dernière partie, quand la tête et le corps descendent et remontent et que ça se fait là avec un grand mouvement, plus prenant. Et c'est ça, je pense que c'est ça. Un genou tendu, un genou. Vous rappelez-vous que la version lente, elle est là. Vous pourriez la faire n'importe quand. La version kick, elle est là. Si vous aimez mieux des bras statiques, c'est possible. Mains sur les hanches. Hop! Je préfère une capsule juste de variation sur un même temps. Je pense que ça pourrait être le sujet d'une nouvelle émission. Hop! Amplitude maintenant. Descend. Hop! Down. Ah, il est super celui-là. Vraiment efficace. Il y a l'équilibre qui va peut-être jouer. Impliquer les abdos.
dim. Il y a un petit, une petite mèche là, ici qui me donne envie de garder ma tête un petit peu plus haute. 8, 7, dépoulez-vous. 6, 5. Voyez-vous comment c'est plus prenant? Le sentez-vous? 2, jumping jack. Ça va-tu? On se retrouve au prochain segment. Bien joué! On s'en va, position quadrupède, enchaînée de planche. Les mains en ligne avec les épaules, les genoux en ligne avec les hanches. Je vais aller travailler la fesse, lève et descend. Maintenant, rapidement, je vais vous donner une alternative en position planche. Comme ça, on bénéficie à la fois d'un travail des bras, des abdos et de la jambe. Pendant qu'on fait ça, je suis en train de regarder ma position. Je voulais voir si j'avais flexé mon pied. Ça se fait les deux façons, mais pied flex, vous allez mieux se sentir. Comment ça se passe pour vous? C'est super! Super efficace. On y va-tu plus vite? Lève. Maintenant, est-ce que je suis capable de parler en même temps, de faire tout ça? Je pense bien. Descendez les épaules, serrez fort les abdominaux, mais continuez à respirer. 4, 3, on garde la pause pour 8. Hanches parallèles au sol, 7. Quand je compte lentement, qu'est-ce qui arrive? Ça tient, on tient plus longtemps. C'est un truc. Entraîneur, 3, est-ce que ma ligne est belle? Je pense que oui. L'autre côté, lève, descend, pied flex. Si jamais vous sentez que la position est mieux pour vous sur les avant-bras, regardez, hein, je vous regarde du coin de l'œil. Mais ce qui est important en fait, c'est que vous n'ayez pas d'inconfort dans le cou. Alors, pour être bien placé et pour faire un exemple de moi, tête en prolongement du dos serait l'idéal. Aïe! Est-ce que c'est dur? Oui! Est-ce qu'on a dit que ça serait facile? Non! Mais on a dit qu'on serait capable. Et surtout qu'on n'allait pas lâcher, n'est-ce pas? Donc, sur les genoux, si vous préférez, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Vous êtes capable? Moi aussi! Aïe, aïe, aïe! Pied flex, mon pied, y'a-tu flex? Il pourrait l'être plus, hein? Plus vite! Hop, 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 hop! Plus vite ou plus lent? Vous décidez. 4, 3, reste en haut, je triche parce que je n'ai pas de miroir ici, mais je regarde l'écran. Planche seulement, restez là. Ça va-tu? Sur les avant-bras, pied plus large, tape, reviens, tape, je vais m'éloigner un petit peu. Parallèle au sol, les hanches. Wouh! Plus que 4. Bien joué, on a très bien travaillé. 3, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On enchaîne sur le dos, abdos, suivez-moi. J'aime bien vous partir le bal, les jambes pliées. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez des soucis côté bas du dos ou encore vous avez juste une préférence pour un contact au sol quand vous faites les abdominaux, ça va toujours être le demi-redressement assis que vous pouvez faire. On monte, on descend. Je vous invite à voir votre position pour ne pas sentir le cou. Imaginez peut-être une clémentine entre le menton et la poitrine. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer pour varier, juste pour varier un peu, je pourrais faire juste un bras. Souvent, ça va être bras inverse à la jambe. J'aime bien faire ça. Ça coule bien. Comment ça se passe pour vous? Jusque-là, ça va? Hop! Dans pas long, je vais changer de jambe. Comme ça, on aura fait les deux côtés, puis j'ai une autre variation. Aïe, 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 la fatigue s'installe. Sentez-vous? C'est bon signe, hein? C'est pas mauvais. C'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe qu'on travaille, qu'on pousse, qu'on persévère. Quel bon feeling, d'ailleurs! On inverse. Alors, les deux bras. Ah. Ça va jusque-là. Évitez de sentir votre cou. 4. Le chiffre magique, là, présentement, c'est 8. Je fais pas de décompte. Hop! Parce que je parle en même temps, puis il y a plein, plein de choses qui se passent en même temps, mais c'est à peu près 8 de chaque. J'alterne toujours dans la mesure où c'est important de faire de façon égale les deux côtés. Je ne souhaite pas sentir mon bas du dos, c'est vraiment les abdos. Un de chaque. Un. Regarde. Un. Avez-vous remarqué ce que je viens de faire? J'ai allongé mes deux jambes. Si vous le sentez dans le dos, ne faites pas cette variation. Oh boy! Up. On sourit.
C'est plus dur. Est-ce que c'est meilleur? Pas forcément. Aïe, aïe, aïe. Four more. Quatre. Trois. Deux. Un petit vélo sympathique. Oui. Est-ce que je peux garder mon haut du tronc statique? Oui. C'est vite. Pousse le nombril vers la colonne. Les jambes vers le haut, ça vous donne la chance de bien placer votre bas du dos. J'ai pas le temps, j'en ai un autre, mais je vous le garde pour la prochaine capsule. On se voit aux étirements. Comment ça s'est passé pour vous? Déjà les étirements, déjà la fin. Quel bonheur. Quel bonheur de se retrouver comme ça à la fin d'un entraînement qu'on a eu la chance de faire, mais pour lequel peut-être on a eu à mettre un peu d'effort pour se lancer. Restez, restez. En fait, je ne sais pas si c'était dur ou facile pour vous, mais souvent, le plus tough, le plus difficile, c'est de partir le bal. Et nous voilà déjà à la fin. J'espère que vous êtes fiers de vous. Bravo d'avoir fait ça avec moi. Vous savez qu'il y a plein d'autres capsules disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Inspirez et expirez. La citation de la semaine, je vous la mets sous forme de question. Êtes-vous le type de personne qui voyait le verre comme moitié plein ou moitié vide? C'est important de savoir ça parce que ça peut nous aider à essayer de voir les choses différemment. Restez là, je vais faire les deux jambes pour les quelques secondes qui restent. C'est beaucoup plus difficile de garder les jambes allongées. Inspirez et expirez, on étire l'arrière de la jambe. Pour nous, c'est déjà la fin. Bravo encore, merci tellement. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.